Oui, c'est une technique de chirurgie esthétique qui vient des États-Unis et que je recommande à tous mes patients. En fait, une pratique bien moins traumatisante et qui permet de retrouver... Qui permet de retrouver un ballon gonflable à la place du visage. Moi, toutes ces vieilles minettes me terrorisent. On a l'impression qu'elles vont éclater avant de mourir. Vous ne la convaincrez pas, docteur. Ma sœur est très conservatrice. Et cette technique, c'est douloureux ? Inodore incolore invisible. Quand ils sortent de mon cabinet, mes clients vont directement à leur dîner d'affaires. Ah bon ? Les hommes d'affaires aussi ont recours à vos travaux d'aiguille. Mais bien sûr, beaucoup d'hommes politiques, des magistrats, et d'autres encore qui vous étonneraient. Enfin, en tout cas, moi, je vous fréquente plus. Hein. C'est vrai, c'est dangereux de vous avoir à dîner. Tout le monde pense que vous avez tiré la maîtresse de maison. Enfin, je veux dire, opéré la maîtresse de maison. Moi, j'ai pas de complexe. Et je suis très contente des petites retouches que Raphaël m'a fait. Mais je ne vous dirai pas où. Comme je le dis souvent, j'ai qu'une seule ride et je suis assise dessus. Vous faites bien de le dire souvent. C'est très élégant. On m'a dit que vous aviez une ravissante maison au Pilat. Je n'y vais plus depuis que mon mari... Non, en fait, je n'y vais plus. Je préfère la Sologne. La chasse me fait tout oublier. Moi, j'ai quitté un homme parce qu'il avait raté un sanglier qui a mis 2 heures à mourir à mes pieds. Il n'avait sûrement pas fait exprès. Sanglier non plus. Vous avez vu cette exposition Picasso ? Quelle misogyne. Cette façon de défigurer les femmes, ces travestis aux narines dilatées, quelle misère. Claire, tu régresses. Passe le langage de psy avec moi, Marie, hein, s'il te plaît. Ma sœur préfère la confession à l'analyse, n'est-ce pas, ma chérie? Dimanche, c'était passionnant. Le père de Brun a fait un prêche courageux contre l'avortement. Oh non, pitié, Claire, Saint-Nicolas du Chardonnay, pas ce soir. D'abord, toi, tu fumes trop. Tu devrais l'en empêcher. Ce ne sont pas mes méthodes. Aimer, c'est comprendre et accepter les vices de l'autre. Vous avez lu ça où? Dans Nous deux. Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les appartes. Rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards. Eva. Bravo. Une minute de plus, c'est moi qui allais vous en mettre une. Excusez-la, elle est comme d'habitude.